Défi famille alimentation positive. Et bon réflexe. Bon réflexe. Bon réflexe. Attention, il y a quelque chose d'extraordinaire. On note quel type d'aliment on a acheté, quelle est sa provenance, le prix. Et la provenance, est-ce que c'est donc local, est-ce que c'est France, est-ce que c'est étranger, est-ce que c'est international. Au tout début, mon fils, qu'il aimait beaucoup, c'était ananas, noix de coco. Donc là, on n'est pas dans du local. Donc j'ai essayé de remplacer et on est tombé d'accord sur celui-là. Si on tombe dans les interdits, on risque d'avoir des frustrations et d'être contre-productif. De tomber après dans des pulsions alimentaires, des envies trop fortes et on n'arrive plus à résister. Si c'est un produit brut, donc je vais regarder déjà s'ils sont bio et je vais regarder s'ils sont locaux. Mais tu peux parfois acheter un produit déjà transformé, des raviolis déjà tout fait. Moi, ce que je vais regarder, c'est est-ce qu'ils ont ajouté quelque chose pour la texture. Tu considères que c'est des choses que toi, tu ne sais même pas ce que c'est et tu ne pourrais pas les mettre dans ta cuisine. C'est qu'il y a un problème. Enfin, pour moi, c'est plus de l'alimentation, c'est de la chimie. Il faut trouver les fruits ou les légumes qui viendront sur l'autre saison. La saison d'hiver, pour nous, c'est par exemple la butternut. On sent qu'ils sont contents de retrouver quelque chose qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps. On peut manger bio, local, au même prix qu'avant. Payer le vrai prix des choses de façon à permettre aux producteurs de vivre de façon décente, parce que c'est eux qui s'investissent dans la production d'une alimentation de qualité. Ne serait-ce que 2-3 soupes dans la semaine, ce qui plombe le budget, c'est la viande, le poisson, le fromage. Le fait de manger des légumineuses, d'avoir un apport en protéines végétales, ça peut aussi, sur plusieurs un ou deux jours de la semaine, équilibrer ce budget-là en étant moins cher. Il faut cuisiner différemment. C'est-à-dire il faut pas de déchets, il faut pas jeter. Quand tu as un peu trop, tu fais une quiche par exemple, il faut pas jeter. Une quiche, ça coûte que dalle. Hein. J'ai appris à faire une quiche il y a un mois. Quoi. C'est du beurre, de la farine et des restes. En fait, une quiche, ça coûte 1 euro, quoi, en gros. Et tu fais manger 4 personnes. Une petite feuille blanche avec un stylo posé à côté. Normalement, en haut, j'écris le nom du magasin. On n'a pas tout tartiné. S'ils oublient de le mettre sur la liste, moi, j'étais pas au courant qu'il n'y en avait plus. Donc, ils ont aussi compris que s'ils veulent quelque chose, il faut que ce soit écrit. Dans l'ordre de mes magasins de préférence, en fait. J'ai toujours Boomerang tout en haut, en premier. Parce que tout ce que je peux prendre ici, je le prends ici. Et ensuite, je vais un peu au marché, un peu à Biocoop. Des fois, un peu chez Vidal, qui est un petit producteur derrière. C'est plaisir de voir les couleurs, de pouvoir toucher les produits, de pouvoir sentir cette notion aussi de prendre plaisir à faire ses courses, prendre plaisir à choisir son produit. Je prends un peu des contenants, un peu plus que ce qu'il faut pour être sûr d'en avoir assez. Je sais que j'ai 2 pots pour le riz, 1 pot pour la farine des pôtres, il y en a un, il y a écrit raisin sec dessus. Systématiquement, je le décharge et il se recharge au fur et à mesure de la vie de la maison. Le sac en lui-même, il pèse 62 grammes. Quand on va passer en caisse, ils déduiront le poids du sac. Quand mon sac est presque vide, je vais remplir 2-3 pots de conserve comme ça et puis je vais ramener le sac pour le remplir. Le fait que ça soit en vrac, ça permet aussi de leur faire goûter plus facilement parce que je suis pas obligé d'acheter un gros paquet qu'ils vont pas aimer. On ferait en, on va dire, une heure et demie au supermarché. Là, moi, je mets plutôt 2 heures et demie. Je trouve ça facile en fait. Faut y aller quoi. Faut pas avoir peur de se lancer. C'est pas compliqué. Moi, j'ai réussi. Moi, ça me plaît. Il faut y réfléchir. Faut passer à l'action. Faut pas avoir peur. Il faut y aller. Et vous faites quoi pour votre alimentation aujourd'hui? Merci.